Et cependant, selon le porte-parole du gouvernement provincial de Tanganyika, toutes les localités de Moba ne sont pas occupées, contrairement à ce qui s'est dit dans la classe politique. Le groupement de Muliro est sous contrôle des FARDC, alors que les territoires de Nuinzu a recouvré la paix en dépit de quelques cas isolés. Dieudonné Kamoya Yumba annonce que la solution diplomatique est privilégiée par les autorités. Aussi, la population est appelée au calme. On l'écoute, il est au micro de Pascal Kasunga. Contrairement aux avis de certains hommes politiques qui disent que le groupement de Muliro est sous occupation de l'armée zambienne, ces propos sont faux et pourraient avoir un sens d'exagération qui n'en plaise qu'à ceux qui le déclarent. Muliro est un groupement ayant à son sein plusieurs villages. C'est plutôt dans le village Kalubamba où les opérations militaires ont été suspendues en attendant les retombées des pourparlers diplomatiques entre les deux gouvernements. Sinon, notre armée est présente dans toutes les positions de ces villages, bien équipée en logistique, capable de défaire l'ennemi par tous les moyens. Mais y aller brutalement, c'est encore notre population qui sera en péril. Tenez, qu'aucune guerre du monde ne s'est terminée par les armes. Mais c'est toujours par les dialogues que les grandes décisions sont trouvées.